Quel que soit l'aspect de l'univers auquel on s'intéresse, depuis les galaxies géantes dans l'espace jusqu'aux cellules de notre corps, invisibles à l'œil nu, et en passant par les divers êtres vivants qui forment notre environnement, on ne peut objectivement que constater l'existence d'un plan bien structuré sans faille, qui apparaît tel un filigrane derrière toute création. Chaque aspect de l'univers dénote de façon flagrante un fait explicite et bien précis. La création est une réalité. Le monde dans lequel nous vivons foisonne d'une vie fonctionnant selon des principes immuables et étonnamment sans faille. Nombreux sont les êtres vivants réellement stupéfiants, depuis les oiseaux jusqu'aux plantes, et des poissons aux insectes dotés ni d'intelligence ni d'esprit, et parfois même tout bonnement dépourvus de cerveau, qui suscitent notre admiration vu les actes évolués qu'ils accomplissent. Ils nous laissent véritablement perplexes, d'autant plus que l'homme, bien que muni de toute sa sagesse, et d'une foule de connaissances, ne parvient parfois qu'à les imiter approximativement, incapable de vraiment reproduire leurs gestes. Dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Les systèmes de défense, de reproduction et de chasse incroyablement complexes que sont ceux des insectes, qui constituent toute une branche du règne animal, révèlent de façon patente que ces systèmes ont été mis au point par un créateur sage et tout-puissant. La conception merveilleuse des insectes est une preuve de l'existence d'Allah et de sa création parfaite. Toute personne qui réfléchit avec une conscience claire et un esprit dénué de préjugés ne peut arriver qu'à cette conclusion. D'autre part, le nombre d'insectes sur Terre est stupéfiant. Pour chaque être humain, il y a environ 200 millions d'insectes, ce qui équivaut à 10 millions d'insectes au kilomètre carré. On estime à 30 millions le nombre d'espèces d'insectes, dont beaucoup n'ont même pas encore reçu de nom. Le coléoptère tortue est l'une de ses merveilles. Son système de défense est fondé sur l'utilisation de ses pattes, d'ailleurs très grosses par rapport à sa taille, et de sa carapace. Lorsqu'il se sent menacé, il rétracte ses pattes et ses antennes, et se colle au sol à la manière d'une ventouse. L'intérieur de la carapace est d'autre part conçu pour accueillir ses organes rétractiles. Cette structure rend impossible le renversement de ce coléoptère par ses prédateurs, notamment les fourmis, dont l'objectif est de retourner l'insecte pour s'attaquer à ses tissus tendres. Bien que la fourmi soit plus grosse que sa proie, elle cesse ses attaques très rapidement, après avoir vainement cherché à la déstabiliser. Lorsque ce coléoptère est examiné au microscope, l'examen révèle que ses pieds comportent près de 60 000 poils. Et au microscope électronique, on observe que ses poils se divisent en deux, comme une fourche. Et par ailleurs, l'extrémité de ses poils apparaît comme étant spongieuse. En étudiant le sol sur lequel l'un de ces insectes vient de se cramponner, on s'aperçoit qu'il porte des traces huileuses faites de milliers de gouttelettes. Cette huile est produite par des glandes situées à la racine des poils,
puis elle s'écoule par des cavités jusqu'au tissu spongieux qu'elle humidifie. Le coléoptère se fixe alors au sol par un phénomène de succion analogue à ce qui se produit avec une ventouse. Une véritable impression de perfection se dégage de lui. Lorsqu'on prend en considération la forme de sa carapace, la conception de ses poils, le phénomène de production d'une substance huileuse servant à fixer l'insecte au sol, tous ces aspects étant harmonieusement intégrés, si bien que toute explication fondée sur la théorie de l'évolution et sur une suite de coïncidences apparaît totalement fantaisiste. Aucun homme conscient et sage ne peut accepter une telle hypothèse. L'existence de tels systèmes parfaits est la manifestation de la sagesse absolue de celui qui les crée. Allah, Seigneur des mondes, est le Créateur de toutes choses, et dans tous les êtres vivants sont présents des signes de sa création supérieure. C'est lui, Allah, le Créateur, l'existence